don't say a word, Bob, we're gonna buy you Mockingbird. Say, darling, say. If that Mockingbird don't sing, Bob, we're gonna buy you a diamond ring. Say, darling, say. It's broke, Pop, we're gonna buy you a Billy Goat. Say, darling, say. If that Billy Goat don't pull, Pop, we're gonna buy you a carton bull. Say, darling, say. If that carton bull turns over, Pop, we're gonna buy you a dog named Rover. Say, darling, say. Say, darling, say. Let that horse and cart fall down, you're still the sweetest little baby in town. Say, darling, say. Potage, là, et je voulais filmer ça parce que regarde l'importance de la graine, quoi. Bon, j'étais en train de le casser, mais c'était une alvéole avec deux graines. Regarde la différence entre les deux graines. Donc, comme quoi, tu as des graines bien plus je sais pas, vigoureuses ou quoi. Regarde-moi ça, rien à voir, hein. rien à voir. Pourtant, les mêmes conditions, le même terreau, le même tout ce que tu veux, ils sont côte à côte, mais la graine là, elle était pas terrible. Donc, c'est pour ça que j'aime bien mettre deux graines par alvéole. Et puis sélectionner la plus belle, quoi. Tu vois, ce truc là, hop, ça va finir par terre. Là. Hop, allez, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Et lui, je le garde. Ouais. J'aurai un plus beau plan avec une belle, bonne graine vigoureuse, quoi. Regarde les machins énormes ici. Pouah. Et encore, j'ai pris les plus beaux là. Ceux-là sont super beaux. Mais bon, j'en ai assez. Mais là, 100% de réussite. Numéro 11, je sais pas qui c'est, mais 100% de réussite. Celui-là, bon, numéro 10, je suis en train de faire là. Ouais, tu en as encore deux grands, un moyen. Moi, je vais prendre celui-là après. Bon, bref, importance des graines. Et puis, choisis quoi. Mets des graines et sélectionne les plus beaux. Tu auras des super beaux plants pour des super beaux légumes. Bon, alors ici, je me fais un nouveau petit test avec le numéro 6. Regarde-moi ça, cette plantation différente. Donc là, je l'ai planté jusqu'à ici, le système racinaire. Je suis en train de me dire, je perds tout ce terreau en fait. Pourquoi pas ne le mettre... De toute façon, il ne va pas faire des racines là tout de suite. Je sais très bien qu'on peut le planter, qu'il ne va pas pourrir tout ça. Mais bon, pourquoi ne pas le mettre juste le système racinaire à cette hauteur-là? Ce serait bien aussi. Il y aurait tout ça de réserve de terreau. S'il est bon le terreau, s'il est bien nourri, tout ça. Et du coup, il y aurait tout ça de racines, plus les petites qui vont descendre. Lui, le chignon racinaire, il va être là. Il va vite descendre là. Tout ça, ça ne servira à rien. En plus, on va arroser au-dessus. En fait, ce sera en dessous qu'il faudra arroser. Ouais, bon, ok. Bon, je vais essayer de me faire plusieurs pots comme ça, planter profond et planter juste là, quoi. Le chignon racinaire, il est là. Comme ça, quand je vais arroser, ça va arroser les racines. L'eau, elle va couler et puis ça va descendre. Enfin, bref, voilà. Numéro 6, le grand test. Peut-être d'autres numéros, mais je vais écrire ça sur mon cahier. Là, déjà, je vais écrire moitié terre, moitié terreau. Moitié terre de serre, moitié terreau. Pour celui-là, le 6 aussi. Et le 6, je marquerai différence de plantation au rempotage. On teste, on s'amuse.
Bien, bonjour les pirates. Bon, allez, mission rempotage, mes petites alvéoles de tomates et tout le reste, piment, poivron, tout ça, poivron là-bas, en rose, piment là-bas. Bref, petit point sur les tomatos. Alors, j'ai fait la petite bêtise hier, c'est que je commence à rempoter comme ça, mais j'ai oublié de filmer pour voir mon compte rendu de mes sachets de graines. Bon, ça va quand même le faire, hein. Alors du coup j'ai fait tout ça là. Allez, on commence par le 1. Donc là c'est les grosses tomates. Donc Cléota. Cléota, tu vois, sur il y a 2 graines par alvéole. Donc la numéro 1, ouais, c'est pas terrible. Mais bon, 1, 2, 3, 4. J'en aurai 4 à repoter après. Bon, ça va, j'en aurai assez, mais Cléota, faut que je le sache que je dois mettre beaucoup plus de graines pour avoir une bonne germination. Ou le sachet, je le jette et j'en ferai un nouveau, quoi. Sunrise, donc la grosse rouge et jaune. Oh, pareil, hein, pas terrible. Hein, le... En plus, Cléota, c'était une très mûre. Donc là, j'avais noté, tu vois. Cléota, très mûre. Sunrise, elle était super belle, la top. Sunrise, très mûre. Ah, ben, la top contre la très mûre. Ah, ben, c'est la très mûre qui gagne. Ah, ça, c'est du bon test. Sunrise 2 et 3. Donc Sunrise, Sunrise. Donc une tomate que j'avais laissé mûrir jusqu'à la fin, qu'elle soit toute molle. Pour que, pour moi, la graine, elle est beaucoup plus puissante quand la tomate a. Tu la laisses mûrir très très longtemps et ben ça va pas manquer. Boum, la germination elle est carrément meilleure sur une tomate très mûre. Bon, ça c'est top. Bœuf rouge, la 4. Donc ouais, d'accord. Donc j'ai tout fait là-bas. Donc à chaque fois j'en ai 6. 6, 6, 6, 6. Ah, dommage que j'ai commencé hier. Hein, punaise. Mais bon, trop pressé, pas le temps. Du coup, je vais vite. 4 bœuf rouge. Donc ouais, c'est bien. 6 plus encore 3 de rechange. Ça va. Là, donc j'en ai fait 6, plus encore 4 de rechange, de secours, on va dire. Oh, par contre, là, c'est pas bon. 4, 5, 6, le 6e. Donc 5 rosado, 6, ah, 6 ananas, pareil. 6 ananas et 7 ananas, très mûr, énorme en août. 6 ou 7. 4, 5, 6, 7. Ah là là, je sais plus du coup. Bah, 6, 7, j'ai fini là-bas. 6, 7, ouais, c'est bon. J'en avais 6 de bonnes. Donc c'était mieux la deuxième, énorme en août. La germination elle était carrément mieux sur mon deuxième sachet. Donc les ananas énormes en août, donc je sais pas, une récolte de tomates de août c'est mieux qu'une récolte de juillet. Peut-être, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas j'ai un sachet qui marche mieux que l'autre. Donc ça c'est sûr et certain que le ananas très mûr, bah là il n'a pas marché par contre. Oh là là, finesse, c'est compliqué de faire des expériences sur les graines et quelles sont les meilleures. C'est vraiment compliqué. Alors Jumbo, pas beaucoup de graines ou Jumbo très mûr. 8 et 9. 8 et 9. Oh punaise, la butte, il n'y a rien. Jumbo mangue 2022, peu de graines. Oh là là, c'est nul. Et j'ai fait aucun rempotage là. Attention, les deux sont nuls. Mais c'est quand même mieux la 9. Donc la Jumbo très mûr. Bah là, c'est la très mûr qui gagne entre guillemets. La Jumbo c'est compliqué parce que elle fait très très peu de graines. C'est, on dirait une mangue. C'est fou. Tu croques dedans, tu l'ouvres, il n'y a pas de graines. Il y en a 5-6 par tomate. C'est incroyable. Et du coup elle est super dure à faire aussi. Bon voilà, bah le peu que j'ai, je vais tout mettre. du coup après 9, 10, 10 c'est quoi? La bœuf à ma tante Joël. 9, 10. Donc bah ouais, j'en ai pris 6 là-bas. Ouais, j'en ai 6 qui sont beaux. Ouais, bah j'en avais que 6 quoi. Sur 7, sur 14 graines. Pff, c'est pas fou. Hein. 11, excellent. Chapeau vert. Oh, je sais plus, c'est un truc à moi, très mûr. Toi. Chapeau vert, très mûr. Eh ben, 100% de réussite. Des feuillages énormes. Les cotylédons énormes. La tige bien violette, bien crapue. C'est vraiment de la tuerie. 14 graines, 14 réussites. Je savais pas lequel choisir. Donc, rouge, chapeau vert. Bon, elle est rouge, elle a un chapeau vert, je sais pas son nom. Cueillie très très mûre. Enfin, cueillie mûre plus laissée stocker dans la grange pour qu'elle mûrisse encore plus, qu'elle soit vraiment molle, limite pourrite quoi. Donc pour moi, les graines elles ont grossi dans la tomate. Et bah là, carnage, réussite de dingue. Et grosse orange, j'ai mes 6 là-bas. Ah non, 12. J'en ai fait que 3. J'en ai que 3 belles. Et les autres, bah c'est ça. Tête mangée. Alors pourquoi la grosse orange, ça va pas germer et le peu que j'ai eu, ben ça a fait ça. Je sais pas, toujours grosse orange, je sais pas ce que c'est. Donc
Donc ça c'est cool, on continue. Bon, je le fais pour vous, je le fais surtout pour moi la vidéo là, parce que j'ai envie de savoir l'année prochaine quel sachet je dois remettre. Donc là, 13, 14, 15, 16, 17, voilà, bon ça fait ça, moi je sais un peu mes alvéoles. Des poires jaunes. Oh punaise, elles sont pas... Là il y a un problème là. Pourtant ça marche toujours très bien ça. Donc c'est mon sachet 4 poires jaunes. Tiens, je vais le filmer pour moi ça. Hop, comme ça je peux faire pause. Voilà, c'est bien. Tac tac. La 14, ça va. Il n'y en a que 2 là, alvéole là. Je sais pas pourquoi elle a pas marché. 15. Donc, alors, poire jaune. Ah, c'est la différence entre celui-là et celui-là. D'accord, bah, poire jaune énorme du tunnel 2, elle va mieux. Bon. Poire rouge très mûre. Ici. Bah, c'est super beau. Super beau les plans. Purple bee très mûre. Ouais, ils sont un peu plus petits là, le sachet, ces deux sachets pareil, c'est de la violette. Entre le 16 et 17. Ah non, c'est à côté, 16 et 17. Ah, c'est le 16 qui gagne. Ah, les 7 purple bee, ouais. Mon sachet 16, il marche carrément mieux. Boule orange 18. Ouais, ça va, ça va. Ok, ça va. Boule jaune très mûre 19. Ouais, c'est pareil, c'est kiff-kiff, c'est bien. Il y en a assez. Mais ils sont moins beaux là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Anthocyane, belle ronde. Ah, les tomates noires. Oh, j'ai rien. Oh là là, numéro 20. Bah, j'ai pas d'anthocyane. Zéro. Bon, bah là, il faut que je relance un semis si je veux des tomates noires. Parce qu'elles sont quand même bien. Donc, numéro 20, anthocyane, belle ronde, très mûre. Ah, bah là, le très mûre, ça a pas marché du tout. 2023. Bah, je vais reprendre des sachets de 2022 parce qu'ils ont, ils ont fonctionné l'année dernière. 21, il est pas terrible. Deux belles blushes rouges. Ouais, bah les blushs, ça n'a pas marché. La 22, c'est blush aussi. Oh, c'est triste. 21, 22, regarde. Oh là là. Triste, triste, triste hein, cette année. Maglia Rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pourrais en avoir 6. Pile poil, j'aurais pas de réserve. C'est le numéro 23. Ah, là, c'est la tomate de l'abonné. Donc, c'est un abonné chez qui j'ai travaillé. Et qu'on a mangé des tomates à midi. Et puis, je lui ai pris sa tomate pour avoir les graines. Donc la tomate zébrée un peu verte, elle est rouge, zébrée, vert, enfin vous verrez bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la moitié quoi, c'est comme 50% de levée. Hein. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Alors est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le terreau, est-ce que c'est le climat de cette année? Je sais pas. Bon, je refilme un peu les feuilles, tac, comme ça je peux faire une pause quand je regarderai mes vidéos. Ouais, parce que les vidéos, je les fais pour vous, je partage mon expérience, tout ça, mais je les fais surtout pour moi aussi, pour m'améliorer. Donc voilà, voilà le résultat des tomates. Bon, un peu dégoûté de d'avoir déjà attaqué ça hier avant de faire une vidéo. Et voilà, ça va finir comme ça, quoi. 6, 7, 8, 9, 10, tout est rangé, classifié. À chaque fois, c'est des pots différents. Tu vois, par numéro, le 4 et le 5, ben, une fois, c'est des petites lignes, une fois, c'est des grosses lignes. Une autre fois, ça va être un pot tout lisse. Pot carré, c'est cool, tout y est rassemblé au même. Enfin, tout y est collé. Quand c'est des pots ronds, t'as toujours un espace entre les deux, c'est pas terrible. Quand t'arroses à côté, quoi. Bon, là, t'arroses, tout prend. Puis en même temps, c'est bien aussi d'arroser son sol, hein, parce que là, bah, regarde là, ça passe en dessous. Donc, je le vois, c'est un peu au ralenti, et dès que la racine elle passe en dessous, ça explose. Ah, tu vois, c'est passé. Ils arrivent seulement, là. Donc, je sais, si je le laisse une semaine de plus, bah, ça va pénétrer, ça va grossière à mort. Moi j'ai plus confiance en mon sol là, qui est super riche, plutôt que celui là. Donc là j'ai fait un test, je te le mettrai dans la vidéo là ou une autre vidéo, je sais pas. J'ai mélangé ici la terre de la serre avec du terreau pour donner plus de nourriture aux plants. Et il y en a j'ai pas fait pour voir la différence, tu vois. Donc bon, on en reparlera des tomates, hein. Abonne-toi, tout ça, tout ça. Et je vous ferai un compte rendu régulier de mes plants. Bon, allez, valou, valou.